les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo enfin que je vous avais promis, la présentation de ma Peugeot 103. Donc voilà, je pense qu'on va aller faire un petit tour avec, je vous ai fait des petits plans. Et puis bah, on va aller voir comment ça roule, entendre rugir le petit moteur. Et puis je pense que ça va être nickel comme ça. Je sais, ça fait longtemps que je vous l'ai promis, je devais la tourner, ça fait... Mais bah, c'est qu'aujourd'hui que je la tourne et allez, c'est parti. C'est ça le bruit du temps, les gars. On va aller faire un tour, je reprends après avec la GoPro et on se dit à tout de suite. Allez. Bon les gars, ça y est. Après 10 minutes, on me fringuait. Mais bon, on est reparti. On n'a rien oublié. Bon alors, je vais vous expliquer l'histoire de cette petite 103. Parce que ceux qui me suivent sur Facebook, pardon, ils savent un peu l'histoire. Donc j'ai récupéré cette mobilette à mon grand-père qui habite en Bretagne, enfin c'était à mon arrière-grand-père je crois. Cette mobilette elle est de 1977 les gars, et elle est toute d'origine. Au début je croyais, parce qu'il y a une différence de bleu, je sais pas si vous l'avez vu dans mes plans précédents, il y a une différence de couleur entre les morceaux en plastique et les morceaux en métal. Et en fin de compte c'est juste avec le temps, ça a dû prendre un peu d'humidité, avec le soleil etc, ça a dû passer un peu. Du coup voilà. Donc là on va aller faire un petit tour dans les alentours chez moi. Putain, avant de refaire la vidéo j'ai remis les carters et tout, impeccable, sauf que j'ai oublié de resserrer mon frein à l'arrière. Bon c'est pas grave. Donc cette mobilette, je vous ai dit, elle vient de Bretagne, donc tout est d'origine. Moi bah forcément je l'ai remise en état, ce que j'ai fait dessus, j'ai changé tout ce qui était câble de frein avant, câble de frein arrière. J'ai rechangé le câble de décompresseur, le câble de starter, le câble d'accélérateur. Ensuite, j'ai eu une grosse panne, parce qu'en fin de compte, ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai récupéré la mobilette. Sauf qu'en fait, en la refaisant, j'ai eu un énorme problème. C'est-à-dire que la mobilette à froid tenait très bien, et à chaud, on aurait cru qu'il y avait trop d'essence. Alors du coup je pensais que c'était le gicleur qui était mort. Sauf qu'en fin de compte c'était un truc tout con les gars. Mais vraiment tout con. Quand je vous dis tout con, c'est... C'est-à-dire qu'en fait vous avez le câble du starter qui ouvre plus ou moins l'arrivée d'air au niveau du carbu. Et ça en fait vous avez un petit arrêt de gaine. Et je l'avais beaucoup trop serré en fait. Et bah du coup bah, ça faisait que c'était toujours un tout petit peu fermé, qu'il n'y avait pas assez d'air qui débitait. Et donc du coup j'ai enfin trouvé cette putain de panne les gars. Bon j'ai changé aussi le gicleur parce que tant qu'à faire voilà. Après sinon j'ai tout nettoyé. Bon là elle était un peu dégueulasse parce que j'avais déjà été faire un tour avec. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais déjà fait quelques vidéos. Sinon mais tout fonctionne vraiment, même que ce soit le feu à l'avant ou à l'arrière, tout fonctionne nickel. Après si j'ai rechangé aussi les patins de frein, enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est un frein à tambour, donc en fait les garnitures je les ai rechangées en pensant qu'elles étaient mortes, sauf qu'en fait c'était juste la gaine et le câble en fait qui s'arrachaient, et du coup bah, ça faisait que le câble était mou, bah, comme actuellement quoi, sauf que là c'est juste le câble qui est plus assez serré. Mais voilà, donc c'est un peu une grosse histoire, c'est mon mobilette, ça faisait très très longtemps que je voulais la récupérer. Ça faisait très longtemps que j'avais le projet d'en restaurer une. Et là, bon bah voilà, je suis tombé sur la 103. Et en plus, c'est une 103 familiale, hein, parce que bah, c'est transmis de génération en génération. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, j'avais un projet d'en récupérer une deuxième. Je vous dis pas encore c'est quoi le modèle. Je voudrais que ça reste dans la même marque. Donc je pense que vous allez vite savoir ça va être quoi.
parce que c'est pas très très compliqué. Bon, le stop nique sa mère parce que mon ralenti il tient pas des masses. Ouais, si je regarde de temps en temps en arrière, c'est parce que j'ai fixé mon trépied. J'ai pas envie qu'il se barre. Oh putain, il y a une voiture, les gars. Wouh ! J'ose pas aller trop loin parce que je sais très bien que si je tombe en panne, après, je vais pas avoir l'air con. Donc voilà. On accélère un petit peu. Bon, mon ancien patron était là. Bon, il a pas l'air d'être dehors, du coup, tant pis. Donc voilà, enfin je sors la putain de vidéo de ma présentation de ma Peugeot 103. Ça faisait longtemps que je voulais la sortir, ça faisait longtemps que je voulais la tourner, ça faisait longtemps que je vous l'avais promise. Sauf que bah entre deux, bah voilà quoi, il y a eu le mauvais temps, il y a eu bah il y a des fois où j'étais pas forcément enfin j'avais pas forcément de temps libre en tout cas pour faire des vidéos. Et je vous avoue qu'avec ce putain de temps de merde, bah, la motivation n'était pas trop là. Mais là, vous inquiétez pas, des vidéos, il va y en avoir un petit peu plus. Parce que bon, bah, je vois que le temps, il sera meilleur. Mais je vous promets rien du tout pour le moment. Juste, voilà, je vous dis que j'espère que les vidéos vont revenir assez rapidement. Et on va dire, ça va un peu plus dans le temps. Parce que bon, bah voilà, la RC, je vais avoir des frais à faire. Vous serez tenu au courant, j'espère, dans un... Oh bah, le stop, hein, je dis nique sa mère. Mais, ouais, vous serez tenu, je pense, j'espère, dans le premier vlog, enfin... Parce que, de toute façon, je vous avais sorti un vlog, entre guillemets, temporaire. Je l'avais supprimé, j'avais dû le laisser une semaine. Et donc j'espère en refaire un, mais beaucoup plus constructif, avec beaucoup plus de contenu, etc. Et voilà. Là, je sais pas du tout où on va. Enfin, si, je sais, parce qu'on est à côté de chez moi, mais j'espère que la mobilette va pas me tomber en rade dans les mains. Très froid, enfin je sais pas, je suis un peu couvert, mais je me suis équipé histoire de dire que ah, c'est quoi, je suis pas allé sur la grande route hein. Oh putain, me fais pas ça, Martine. Ouais, génial. Putain, vlog qui tourne mal, présentation de mobilette qui tourne mal. Oh, salope. Bon, bah voilà. Bon. Je vais en profiter
la mobylette à la calée pour vous montrer vraiment que bah, c'est une mobylette de l'époque, j'ai vraiment tout. C'est-à-dire que là, en dessous, le petit 103, j'ai le loquet. Donc ça, normalement, c'est pour le Neyman. Ensuite, ici, ça se démonte et normalement, vous pouviez mettre... Bah, vous aviez la petite boîte à outils Peugeot. Bon, bah moi, je l'ai pas. Alors, je sais pas du tout où elle est, si elle a été perdue, si elle a été posée quelque part ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, tout est dans le jus, donc c'est ça le cap de fin que je vous parlais, pas du tout assez tendu. Faudra que j'y repasse un petit coup de, un petit coup d'éponge, etc. Déjà, tout ce qui était chrome de jante, etc., vous voyez qu'ils sont pas mal piqués, mais bon, je les ai assez bien récupérés quand même. Et la différence de couleur, voilà. Ici, ça penche plus vers le vert, ici plus vers le bleu, mais c'est parce qu'ici, c'est des plastiques. Bon, j'ai perdu la vis de chaque côté ici, mais bon, ça en dira rien. Hein. Donc, le feu à l'arrière comme à l'avant. Tout ça fonctionne avec les ampoules. Alors, d'origine, je sais pas. Mais de l'époque, c'est sûr. Je sais pas si elle va redémarrer. Je sais pas du tout si elle va me laisser en yinche ou quoi. Putain, je vous jure, il y a des voitures, ils passent pleine bourre, là. Voilà. Regardez la gueule du casque, quoi. Voilà où je suis perdu. Au milieu du brouillard, au milieu de nulle part. Il n'y a pas un putain de connard qui s'arrête. Oh, il y a des cyclistes. On va voir si eux s'arrêtent. Ouais, vous inquiétez pas, faut que je m'arrête pour aller se refroidir.